Ouch! Coucou tout le monde, c'est Axe, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver sur Red Dead Redemption 2 version PC. On va poursuivre notre aventure, il va falloir qu'on trouve une petite quête, on va voir tout de suite où on peut aller. Alors, je suis par là parce que je suis venu tout simplement essayer de chasser, etc. Je suis tombé sur le territoire d'un coyote légendaire. C'était par où? C'était par là, peut-être? Non, je ne sais plus. Voilà, je me suis un petit peu baladé. Bah, c'était dans le coin, là. Avec les coyotes, ici. J'ai trouvé pas mal d'animaux, quand même. J'ai pas mal chassé. Faudrait qu'on aille par là. Eh bien, écoutez, en plus, il y a un braquage. Je vais retourner, du coup, à la maison, à Clemence Point. Et on va parler à Mikabel. Ouch! Mon cheval. Ok, je suis tombé sur des pillards. Je suis un petit peu occupé d'eux. Ils m'ont agressé. J'étais sur la route. Ah bah j'ai perdu un. Bon bah tant pis. J'en suis où d'ailleurs? Oh ça va, je suis quand même bien. Je suis aux deux tiers. Bon, j'ai pas compris du coup. Alors, est-ce que j'ai tué des civils au passage? Non, c'est bien des pillards de Lemoine. Les gars, ils m'agressent, je les tue. Et c'est moi qui trouve encore le moyen de prendre le malus. L'avantage, j'ai pas eu de témoin. C'est cool. Bon, je suis de retour au camp. Je vais essayer d'aller voir Pearson pour... Salut Kiran. Voir avec les pots que j'ai récupérés, est-ce qu'il peut me faire quelque chose ou pas? C'est derrière, j'ai passé le truc. Ok. Alors, une sacoche. Qu'est-ce qu'il me faut? Une peau de biche, une peau de cerf, une peau de wapiti. Oh, sérieux? Alors, apparemment, j'ai que la peau de biche pour améliorer mes trucs. Augmente la capacité des transports de provisions achetés en magasin pour être cuisiné. Ok. Ça, c'était pour les sacoches. Le quartier d'Arthur. Peau d'alligator. Alligator, j'en ai tué un. Et en fait, il est mort dans l'eau. J'ai pas pu le récupérer. Je suis dégoûté. Mouflon. Peau de cougar. Sanglier. J'en ai tué des sangliers pourtant. Mais les peaux étaient peut-être pas en parfait état. Ok. Les antilopes. Peut-être pas trop en trouver là où on est. Loup. J'aurais pu en trouver ça par contre. Peau de serpent. J'en ai tué des serpents, mais. Ah, bah ça je peux le faire. Bois de wapiti. Ah, ça c'est déjà équipé. Et je peux faire ça. Ossement décoratif. Ok. Ah, bah si, j'ai une peau de serpent. Ah, faut peut-être que je lui donne. Pour de coyote. Peau de biche. Peau de biche. Peau de biche en parfait état. Et peau de serpent, c'est en mauvais état. Bon bah tant pis. Hein. Défense de sanglier, je vais lui donner. Graisse animale, lotion masque odeur, ça je vais garder. Plume de gallinacée, je vais lui filer. Et le bois, je vais lui filer. Pour fabriquer des objets, peut-être pour faire des flèches pour moi. Ah oui, donc celle-là pour les matériaux, voilà, il me faudrait juste une peau d'iguane maintenant. Ok. Ah bah ça, on peut le faire. Table recouverte de peau de sanglier. Je sais pas ce que ça fait. Bon allez, je vais le faire. Voilà. On va améliorer un petit peu le camp. Pas de mal. Merci mon gros. Alors il y a des missions de braquage. Pour aller voir ce que ça donne un peu. Toujours que je trouve un harmonica, pardon, et un livre pour le gamin. Of course,
It's dubious, but there ain't much risk of getting caught. Okay, then. Let's go take a look. Exactly. Just take a look. Ça va être sympa. Avant de poursuivre les quêtes principales. It's up north, on the other side of the river from Valentine. Best way there is through Cumberland Falls, though. You know it? Sure, or less. Comme j'ai revu les réglages, ça devrait être mieux au niveau du son. C'est vrai que le son de ce jeu est très bas par rapport aux autres. Let's stop and go on foot from here. Just up the hill this way. Follow me. There's a spot up ahead where we should be able to get a good look at the place. I want to make sure we don't run into any surprises. Sure. Apparently, his family's been isolated for so long, they started talking in their own weird dialect. They really don't like outsiders, especially on their turf. Well, you just keep selling me on this job, don't you? Oh, big place, right? Your binoculars. Me doutais qu'il allait avoir un truc comme ça. Well, there's a pretty big barn in the back. It's not a bad place to start looking. There must be a lot of people living here. A large house. Stash could be in any one of them buildings, and who knows how many people are in there. I ain't sure about this. Boy. I think we need to draw them out somehow. I got an idea. Follow me. All these trees, I can't get a proper look at the place. Well, hopefully it'll make it harder for them to spot us, too. C'est clair. Coast seems clear so far. Yeah, so far. So far, so good. Hey, keep it down. I hear voices. Je dis rien, c'est toi qui parles. Come on. Let's hide behind this shed. See if we can hear what they're saying. Stay low, Arthur. Just stay quiet. What are you doing? Get down. Where you been now, Newt? Don't be boiling now, Pappy. I's gone but 10 minutes I was. You can hold that order now day long, cause Edie takes patrol now, don't you? What? No, Edie get all the jam! You shut your gulper, or I'll flag her your felt, I will. You need to pull it up, boy. Up. Go guard the shed. Go! You understand what they're saying? Not much of it. What are we doing, Javier? Okay, you take cover by the rock over there. I'll create a little distraction, and then you jump them, okay? What kind of distraction? Quel rocher? You'll see. Lui là-bas? Apparemment, j'ai froid. On est dans les montagnes, et je suis pas bien. Alors que je bouffe un peu. Pour remonter mon énergie avant qu'on ait un souci. C'est bon, j'y suis, c'est quand tu veux, Javier. Oh le con. Sors de la maison,
What the hickory happened here? We got to put this out, don't you? Oh. Hey, aquí, loco. Ah, faut les buter. But. Tout de travers. Oh, derrière moi. Oh le con. Plus personne là. Reste dedans, je te dis. Chercher. Prends ça. Bon, je me suis mal débrouillé, mais tant pis. J'ai cumulé boulette sur boulette. Gros sac de bijoux, il y a du fric, je me suis fait auto-éclater la tête. Genre j'ai une grenade dans les mains, je la jette à mes pieds. Comment on fait pour descendre de là? Comme ça tout simplement, ok. Non, on pouvait le vider avant de le pousser. Ah, well, look what we have here. Oh, joli. I told you it was worth the trouble, didn't I? Yeah, you take this. Let's split up. I'll meet you back at camp. Sounds good. Oh, c'était une petite mission marrante. Même si ça s'est pas passé exactement comme je voulais. Une petite pince à billets supplémentaire. Voilà, 13$. Qu'est-ce qu'on a là? Une carte? Cool. Pour la collection. Carte, les as de la gâchette célèbre 3. Ah bien. Game Boy Calloway. Je sais pas si je l'avais pas déjà celui-là. Bon. Pas grave. Ah non, 2 sur 12. Ah bah c'est cool. Du coup, je vais finir de fouiller les corps et je vais finir de fouiller la maison. On se retrouve s'il y a quelque chose d'important. Sinon, on va retrouver Mikabel pour la suite de notre aventure. Alors Mika, qu'est-ce qu'il a à nous proposer? Mika? Blessed are the peacemakers, for they shall be called... Hey Molly, where's Dutch? Well, however it goes. I'm not sure all that line of thought serves you and me very well. That's because, Cowpoke, you are a man of profoundly limited intelligence. No doubt. Well, you and the old man and Dutch have been running around, digging us ever deeper into shit. Old Mr. Pearson might have gone and lightened the load a little. Pearson!
Ain't you curious? I guess. Gentlemen. Dutch. You tell him, fat man. It's peace, Dutch. The O'Driscolls. I mean, I think there's a way. What on earth are you talking about? Get the words out properly, fat man. I met a couple of the O'Driscoll boys on the road in the town. Things were about to get ugly. But you know how I am in a fight, huh? Like a corner tiger. Il fait vachement peur. Anyway, somehow it didn't, but we got to talking, and they suggested a parlay to end things like gentlemen. Gentlemen. Combe O'Driscoll. Have you lost your minds? You're always telling us, Dutch. Do what has to be done, but don't fight wars ain't worth fighting. They want a parley? It's a trap. Well, of course, it's probably a trap, but what do we got to lose finding out? Get shot. We ain't getting shot because you'll be protecting us. It's a trap, you shoot the lot of them. If it ain't a trap, that's slim chance. I don't see the point in any of this. It's a chance we've gotta take. I killed Combe's brother a long time ago. Okay. Then he killed a woman I loved dear. Oh. As you say, it's a long time ago, Dutch. Let's go. You and me, with Arthur protecting us, no one else. What about me? This ain't the time for tigers, my friend. Okay. You know, I've been fighting Combe for so long now, I can barely remember a time when it was different. And you're still fighting him now. Make no mistake of that. Here he goes. Doubting Thomas. Is there any plan you ain't sour on? Well, maybe you're right. Just nervous. Let's not waste any more lives needlessly. I ain't costing lives here. I'm saving them. What did you say? We had Pinkertons coming after us. Because of Blackwater. And Leviticus Cornwall and his private army. Then, who knows when this local hillbilly thing will come to a head, hmm? Can we really afford to be fighting on all these fronts, and O'Driscoll? There is wisdom in that. I hope so, gentlemen, but like I said, I'm nervous. Look, you ain't even going to be the one in danger. We'll get on over there, find a nice perch for you to settle into. You got that what rifle, you don't doing? You? Yeah, yeah. Then me and Dutch walk right in to the lion's den. With you. Pareil, un bon plan. J'aime bien sniper, j'aime bien ça. Okay. Just keep calm. Unless I give you a reason not to. Oh, we'll be fine. We got you. I will do my best. Oh, my dear and trusted friend. With you watching over me, I would walk into hell itself. As would I. Hey, up there. Men on the ridge. O'Driscoll's from the look of them. I don't like having eyes on us. No. We're close. You'll be the eyes soon enough. Maybe he's right, Dutch. Maybe I have pushed too hard. Got us into situations that could have been safer. I see all those mouths we gotta feed, and I dream too big, caring too much. That's my problem. Caring too much? There's no such thing. This is horse shit from both of you. It might be. Micah might be full of shit. Combe O'Driscoll might be full of shit. The promise of this great nation, men created equal, liberty and justice for all, that might be nonsense too, but it's worth trying for. It is worth believing in.
Can't you see that, friend? I don't know. Try. All I ask is you try. All right, cowpoke. You're gonna peel off up ahead. We'll be meeting down on the plain. Find a spot just above us where you can keep an eye on things. All right. Je le sens pas ce rendez-vous. Let's aim to meet back at the fork in the road afterwards. We'll be there, partner. Une quête avec Mikabel, de toute façon, ça pue. Alors, je vais déjà prendre celui-là. Il va falloir que je rachète des balles. Wow, j'ai failli me vautrer. Allez, dégagez les vautours. Ok, il y a Dutch et Mika ici. Hello, Dutch. It's been a while. Sure. So, how's your gang doing? They still believing in you? Better world. Pure world. Hmm? How's that coming along? Just fine. How's that score you stole off us? Which one? Oh, I like that. It's like I said, this is a charismatic leader. A lot of heat on us this time. Both of us. Whole heap of trouble. They offered me a price, Dutch, to bring you in. Why didn't you take it? Well, still might. I am sorry about your brother. Yeah, well, I never liked him much. I liked Annabelle. You always loved the ladies, Dutch Vanderlyn. I like that about you. What are we doing here? Go home. Is this thing over? Hey, merde. Hello, sugar. You ain't dead, is you? Not anyway. Aïe, je suis en train de me faire tabasser. Got a sense. Handing him over to the lords. I don't know. Strange times. They killed Seamus. Fuck the whole lot of them. With this fella Colum right, we can draw them all back. True. We're going to essayer de ramper pour. Relax. Aïe. Did I kill you? Not yet. No, of course not. Not yet. But I will. Oh punaise, j'ai cru que j'étais mort. Ok, on va me foutre dans un sous-sol. Arthur Morgan. Et moi. It's good to see you. Hello, Gorm. How's wound? I hardly feel it. You will. Septic, say nice. Now, tell me, fine gun like you, why are you still running around with old Dutch?
could come ride with me and make real money. It ain't about the money, Colm. No, no. It's Dutch's famous car. You killed a whole bunch of my boys. Six-point gag. I ain't got no clue what you're talking about. Oh, you lie, my friend. And I thought Dutch preached truth. Let me go, Colm, and end all this crap between you two. We all got real problems now. The way I see it, they get him. They forget about me. They ain't the forgetting sort. If I were you, I'd run as soon as I had the money. Oh, I know you would. Let's see. We lure an angry Dutch in to rescue you. Grab all of you and hang you in. Then disappear. So you only met with him to grab me? Of course. He's gonna be so mad. He's gonna come raging over here. And a whole lot of you. And the law will be waiting for him. Oh, Arthur. A plus quand même, hein. I missed you. Faut que HBO fasse une série Red Dead, ce serait trop trop excellent. Bon, on va bien réussir à s'échapper quand même. Pour atteindre la lime et vous servir. Ok. Allez, on y arrive. Ouch. Réussi. Apparemment. Alors ça va piquer. On met de la poudre et on allume pour cautériser. Wow. Après, on y va. Bordel. Ok. Couteau de lancer. Qu'est-ce qu'il a à me donner? What's he still doing down there? It's one thing torturing a man, it's another thing putting him through stories of the homeland. He better hurry it up. I don't want to be here when the law comes for that side of beef. Quitter le secteur à cheval. Bon, alors, il y en a un par là. Et il se barre. Lui, c'est ok. Lui, c'est ok. On a d'autres ou pas? Alors où sont mes flingues? Équipement d'Arthur, ah cool. Coffre.
Sac de bijoux, on va le faire. Merde, ça y est, on est vu. Merde, j'arrive pas à le voir. Là, il y a mon cheval. Tous les buter. J'ai ma sacoche. Oh oui, j'ai ma sacoche. Les mecs, vous savez pas qui vous avez emmerdé. Encore beaucoup ou pas? Retourner à Clemens Point. Ok. Allez. Je crois que je les ai tous tués. Les O'Driscoll patrouillent le long de la route. Ok. S'était évanoui auprès de la rivière. Finalement, on rentre au camp. Arthur. 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 I told you it was a setup, Dutch. My boy, my dear boy, what? They got me. I got away. Yeah, you did. Miss Grimshaw, I need help. Reverend Swanson. He's gonna set the law on us. Oh, of course he was. I'm sorry, Arthur. It is a bit late for apologies. Swanson! Mr. Morgan. Mr. Morgan, you're safe now. Oh, let's get him to bed. You are safe now, Arthur. Okay. I got you. You're safe now. Yeah, pretty sure, Colonel. That's real pretty. Miss Grimshaw, will you sit with him a while? Of course. You'll be okay, Mr. Morgan. You're home. Quelques semaines plus tard, je pense qu'il faut au moins tout ça pour se remettre. I thought I'd be burying you, Mr. Morgan. Moi aussi. Well, not quite yet, River. Good. How you feeling? About the same as you. I'm sorry to hear that. Well, take care of yourself. You too. Une grosse barbe de trappeur. La mission est terminée. Libérez et soignez votre blessure en moins d'une minute. Oh, dur quand même.
Échapper au camp des O'Driscoll sans vous faire pairer. Ah, je suis un peu bourrin, j'avoue. Mais quand même, j'ai récupéré mes armes et j'ai tué tous les O'Driscoll. Ah. Écoutez, je vais laisser la pause ici, on va s'arrêter là pour cet épisode. C'était, waouh, assez intense quand même, parce que ce qu'on a pris... Je me doutais qu'avec les O'Driscoll, de toute façon, ça allait mal tourner. C'était couru d'avance. Et Mikabel, à chaque fois qu'on a une mission avec lui, on se retrouve dans de beaux draps et... Oh là 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 là. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Moi, je vous retrouve très rapidement sur la chaîne pour la suite de nos aventures. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une très très bonne continuation à toutes et à tous. A très vite. Plein de bisous. Bye bye.